Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer darles la bienvenida a la segunda conferencia de Nur del Sur en el Palau Macaya, la conferencia de Luz desde el Sur, el aporte de la mujer investigadora africana a la sostenibilidad del bienestar. Primero, permítanme presentarme. Soy Farah Nabil y seré su moderadora esta noche. Yo soy investigadora del Cairo, Egipto, y actualmente trabajo en Zaragoza. Mis principales líneas de trabajo incluyen la promoción de la transversalización del enfoque de género en la investigación en salud y la ética de la investigación, y la capacitación de los sanitarios senegaleses para brindar atención psicosocial a la población homosexual. Ahora permítanme contarles el objetivo de Nur del Sur y de esta conferencia de esta noche. El objetivo principal es difundir la aportación de las científicas africanas a la eliminación de las desigualdades sociales y al desarrollo sostenible del planeta. Esta conferencia servirá de espacio de educación, de reflexión y de aprendizaje. Esta conferencia tendrá, por un lado, el objetivo de ilustrar la contribución de la científica africana al desarrollo sostenible de las poblaciones humanas y, por otro lado, discutir los sesgos, prejuicios, así como las carencias de conocimiento que impiden a las poblaciones del norte a valorar y a reconocer las valiosas contribuciones de las mujeres científicas africanas. La iniciativa de Nur del Sur está financiada por la Fundación La Caixa y la European and Developing Countries Clinical Trial Partnership y está organizada por Nutricios Sense Fronteras en colaboración con The African Women's Research Observatory y el Grupo de Estudio de las Sociedades Africanas. Antes de presentarles a las ponentes de esta noche, me gustaría presentarles el proyecto europeo de BCAY Ethics, que inspiró la concepción de la iniciativa Nur del Sur a principios de este año. BCAY Ethics, por sus siglas en inglés, significa creación de capacidades en la transversalización de la perspectiva de género para miembros de comités de ética desde Senegal a África Occidental. Es fruto de una colaboración entre la Universidad de Zaragoza, el Ministerio de la Salud y de la Acción Social de Senegal y el Instituto de Investigación en Salud, Vigilancia Epidemiológica y Capacitación de Senegal. Y el principal objetivo del proyecto es capacitar a miembros de comités de ética nacionales de la investigación en África Occidental para que consideren las perspectivas y enfoques de sexo y género en su trabajo de evaluación y inspección de proyectos de investigación en salud. Como parte del esfuerzo de BCAY Ethics para promover la igualdad de género en la investigación y la ciencia, quiere aumentar la visibilidad de las contribuciones de las científicas africanas al desarrollo sostenible del planeta y hacer oír sus voces. Y así nació la iniciativa de Nur del Sur. Y como resultado, esta iniciativa espera aumentar la conciencia no solo sobre las contribuciones de las científicas africanas, sino también arrojar luz sobre las barreras que enfrentan y las desigualdades, y también alentar reflexión sobre cómo erradicar estos obstáculos y aumentar el reconocimiento y la valoración global de estas científicas. Y ahora permítanme presentarles a las distinguidas científicas africanas que estarán con nosotros hoy y traerán sus propias reflexiones sobre cómo las científicas africanas han mejorado el desarrollo sostenible de las poblaciones humanas. Nuestra primera ponente de esta noche es la doctora Josiane Tonchou, originaria de Camerún y actualmente residente en Francia, donde trabaja en el Centro Nacional de Investigación en Salud. Su trabajo gira en torno a la etnografía de las políticas públicas en salud, los espacios asistenciales, la apropiación de tecnologías médicas, la práctica clínica y la experiencia con enfermedades crónicas. Y esta noche presentará su contribución bajo la perspectiva de Of course we can, o Por supuesto que podemos, y mostrará ejemplos de mujeres africanas que contra viento y marea lograron ser campeonas del desarrollo sostenible a escala mundial. Nuestra segunda ponente de esta noche será la doctora Hélène Neveu-Kringelbach, antropóloga senegalesa que actualmente trabaja como profesora asociada en antropología africana y también es vicedecana de la Oficina de Igualdad, Diversidad e Inclusión del University College of London en el Reino Unido. La doctora Kringelbach es la ganadora del premio Amaury Talbot en 2013 en antropología africana
por su libro Dance Circles, Movement, Morality, and Self-Fashioning in Urban Senegal. Actualmente, sus líneas de investigación incluyen matrimonios mixtos y relaciones transnacionales entre Senegal, Francia y el Reino Unido. Y esta noche nos va a hablar sobre los obstáculos que se interponen en el camino de las científicas sociales africanas y la marginalización estructural que enfrentan. Nuestra tercera y última ponente de esta noche es la doctora Flore Gangbo de Benín y es la actual presidenta del Comité Nacional de Ética de Investigación y es también la coordinadora del programa de la lucha contra el SIDA. La doctora Gangbo se desempeñó como ministra de Salud entre 2006 y 2007 y también fue nombrada la primera vicepresidenta del Consejo Nacional de Educación, donde trabajó entre 2009 y 2017. Y aparte de su larga trayectoria como funcionaria pública, también ha tenido una carrera muy distinguida como académica y investigadora, y actualmente es profesora titular en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. La doctora Gangbo ha publicado más de 43 artículos en varias revistas científicas y dos libros. Hoy nos hablará sobre la igualdad de género en el campo de las ciencias, la investigación y el mundo académico y qué obstáculos impiden esta igualdad de género y qué se requiere para realmente erradicar tales obstáculos y desafíos y disminuir la disparidad de género en este campo. Entonces, permítanme comenzar el evento con la presentación de la doctora Josiane Tonchu. Ahora le dejo la palabra a la doctora Tonchu. Tiene 15 minutos para presentar su contribución. Merci beaucoup. Je te remercie, Flo, pour ton intervention qui va vraiment servir d'introduction à la mienne. Je vous remercie, Guillermo, Albert, de m'avoir invité à participer à cette discussion. Il s'agit vraiment de sujets sur lesquels je n'ai jamais travaillé en tant que chercheur, mais ce sont évidemment des sujets qui ont structuré ma trajectoire de chercheur universitaire d'origine africaine. Moi, j'ai voulu, dans ma présentation, prendre l'exemple de deux ou trois femmes universitaires qui, de mon point de vue, avaient réalisé des choses exceptionnelles. Et pour dire, oui, on peut arriver à ce changement-là. Et je voulais en particulier insister sur les blocages ou les obstacles qu'elles ont réussi à surmonter et les leçons qu'on pouvait en tirer sur les sujets hein, qui sont mis en débat aujourd'hui. Bon, le temps qui nous est imparti ne permet pas d'aller sur deux, trois trajectoires. Je vais en retenir une seule. Alors, je vais vous demander si cette date du 8 octobre 2004 vous dit quelque chose. Ce jour-là, on fête Wangari Maathai, qui est en route pour une des régions qu'elle représente, pour une région qu'elle représente à l'Assemblée nationale de son pays, le Kenya, reçoit un coup de fil. Alors, il faut savoir qu'une décennie plus tôt, ce n'était quand même pas possible, hein, mais à la fin des années 90, les téléphones portables, comme vous le savez, sont de plus en plus accessibles, bien qu'à des prix très élevés. Donc, ce coup de fil, on ne lui annonce pas qu'elle a obtenu le prix Nobel, mais on lui dit qu'il faudrait que sa ligne soit, qu'elle ne soit pas occupée sa ligne de téléphone. C'est une demande très singulière pour une femme qui est engagée en politique, qui est militante depuis plusieurs décennies et donc qui est régulièrement sollicitée. Finalement, l'appel arrive, c'est un appel du président du comité Nobel qu'elle présente comme un correspondant qui s'exprime avec une voix très douce qui lui demande « Vous êtes bien Wangari Maathai ?» Elle le confirme, vous voyez, elle est en route pour la zone rurale. Elle le confirme en tenant le combiné à son oreille. On peut facilement l'imaginer dans un 4x4, sur une route cabossée. Elle essaye de tenir l'équilibre dans la voiture. La voiture essaye d'avancer, que le moteur hurle en s'enfonçant dans les nids de poules. Vous connaissez les pistes africaines, je suppose. Mais ce n'est peut-être pas ça. Et donc, il faut aussi peut-être que le président du comité Nobel se dépêche, parce qu'à l'époque, les réseaux de téléphonie mobile sont capricieux, je pense que vous vous en souvenez, et que parfois, il fallait être abonné à plusieurs opérateurs de téléphone pour être certain de recevoir des appels et téléphoner quand on le souhaitait. On peut dire qu'il y a eu pas mal de chemin parcouru,
parce que le pourcentage d'abonnés à la téléphonie mobile a augmenté depuis 2010 et 80% du territoire est désormais, voire plus, est désormais couvert par les réseaux de téléphonie mobile. Donc revenons à Wangari Maathai, qui apprendront ainsi qu'elle a reçu le prix Nobel de la paix. J'ai été profondément marquée par la trajectoire de cette femme. C'est la première Africaine à obtenir un prix Nobel de la paix. C'est aussi la première femme d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale à avoir obtenu un doctorat en sciences. Elle a fait ses études au Kenya, aux États-Unis et en Allemagne. C'est quand même la deuxième génération, hein, dans son pays à être scolarisée. Et dans son cas, ça se fait tout à fait par hasard, hein, parce qu'un jour, son frère, hein, qui est scolarisé, lui, demande à sa mère, et là, je la cite, et là, je cite Wangari Maathai, qui écrit: Comment se fait-il que Wangari n'aille pas à l'école comme nous tous? On pourrait dire nous tous les garçons. L'instruction est de manière privilégiée réservée aux hommes. C'est ce que Flore a déjà souligné d'ailleurs. Et donc, je vous renvoie aussi à la trajectoire d'une autre grande Africaine, Hawa Keïta, qui souhaitait être scolarisée, qui était très studieuse et à qui sa mère disait: Va-t'en t'occuper des papiers et des crayons, c'est ce que tu donneras à manger à l'homme malheureux qui acceptera de te prendre. Donc, les parents de Wangari Maathai étaient face à une décision importante. On va dire que dans sa famille, il y avait eu un précédent, puisque son oncle envoyait sa fille à l'école. Néanmoins, sa mère aurait pu dire ou penser: Elle me sera plus utile à la maison qu'à l'école. Elle décide d'envoyer sa fille à l'école comme son frère. Donc, elle fera ses études primaires et secondaires au Kenya, ses études supérieures aux États-Unis et en Allemagne. Et quand même, elle souligne que ses parents doivent, pendant ce temps, répondre à la famille qui ne comprend pas, je cite, qu'on puisse pousser aussi loin l'éducation d'une fille. On peut dire ou on peut penser qu'on n'en est plus là, n'est-ce pas? Ou si, peut-être. Wangari Maathai a obtenu le prix Nobel de la paix pour, je cite, sa contribution au développement durable, à la démocratie et à la paix, notamment au travers du mouvement de la ceinture verte qu'elle a fondé, de son engagement politique et son engagement pour l'émancipation des femmes. Je veux vraiment rappeler très brièvement quelque chose, un de ces combats qui rejoint ce qui a été précédemment dit, hein, et qui va nous permettre, on va voir l'enseignement qu'elle en a tiré, et ça va m'amener à soulever deux questions très brèves. Ensuite, je voudrais quand même parler de développement durable, parce que ça, je pense que ça nous concerne aussi, et d'un point qui m'a semblé essentiel dans son approche, hein, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas de développement durable, d'inégalité de genre ou de femmes-violence, mais elle a une approche très holiste, hein, compréhensive et globale qui me semble beaucoup plus profonde, parce qu'elle parle de société juste, de société stable, de société juste et stable. Alors, donc, j'ai souligné qu'elle a étudié aux États-Unis. C'est aux États-Unis qu'elle voit apparaître les premiers mouvements féministes. Alors qu'elle y achève ses études de second cycle, elle est approchée par les représentants du gouvernement de son pays et on lui propose de rejoindre l'institut universitaire de son pays qui vient d'être créé. Elle accepte avec tellement d'enthousiasme qu'elle rate la cérémonie de remise des diplômes. Elle a hâte de rejoindre son poste. Arrivée sur les lieux, le jour où elle doit prendre ses fonctions, on lui apprend que le poste a été pourvu. Elle a pourtant une lettre d'embauche. Elle n'a aucune importance. Le directeur de l'institut a confié le poste à une personne de la même ethnie que lui. Ah, l'ethnie, c'est un gros sujet, hein? Alors, mais poursuivons avec Wangari Maathai qui finit par intégrer l'université, mais elle souffre de discrimination parce qu'elle est femme. En effet, elle est universitaire, elle est mariée et on considère que lui attribuer les mêmes avantages, c'est faire double emploi. Avec sa collègue, elle se battra, y compris devant les tribunaux, pour obtenir l'égalité salariale.
Ce qui est très, très, ce qu'il faut noter dans cette trajectoire, c'est que les autres femmes, et là je la cite, au lieu de se rallier à ce combat-là, vont se retrancher derrière leurs époux. C'est quoi le résultat? C'est que devant la justice, elles obtiendront gain de cause, mais pour elles deux. Et c'est ainsi qu'elle va apprendre qu'il faut défendre ses convictions. L'égalité salariale, enfin l'inégalité salariale, on n'en est pas sorti, hein. Elle souligne que le refus de reconnaître et de récompenser les compétences, je dirais en particulier celles des femmes, à leur juste valeur, est une des causes de sous-développement. Je pense que c'est une violence. Et je ne sais pas, sommes-nous d'accord? Et les femmes ont-elles le courage de se battre sans se cacher derrière ce qu'elles appellent les formes de sécurité tout risque que leur confèrent leurs multiples insertions sociales et professionnelles, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale? Je pense que oui, mais la question reste posée. Alors, Wangari Maathai, c'est une battante. En même temps que ses fonctions à l'université, elle ouvre une épicerie qu'elle approvisionne 2 fois par semaine et dans laquelle elle fait travailler ses sœurs. C'est très drôle parce qu'elle écrit: j'arrivais tous les matins au laboratoire tiré à 4 épingles et personne ne se serait douté que quelques heures plus tôt, je jouais les forts des Halles. Mais on lit quelque chose d'assez curieux dans sa biographie. Elle s'est séparée de son mari. Quand elle se sépare de son mari, un des arguments que celui-ci aurait avancé devant le tribunal, c'est qu'elle est trop instruite, c'est qu'elle est trop brillante, c'est qu'elle est trop obstinée, c'est qu'elle est trop difficile à contrôler. Trop de trop. Donc, trop instruite pour être une femme, encore plus une épouse. Elle souligne que son mari fait partie de la génération qui estime qu'il faut soumettre son épouse, qu'il faut la mater, que ces hommes-là doivent prouver qu'ils sont maîtres chez eux et ne pas se laisser mener par le bout du nez. Montrer, pour dire de manière assez simple, qu'ils portent la culotte à la maison. Est-ce que ça reste stressant pour un homme d'avoir une femme aussi instruite, voire plus instruite que lui? Quelles en sont les raisons profondes? Est-ce qu'on saisit les liens avec la question précédente, celle de l'inégalité salariale? Peut-être n'y a-t-il aucun lien. J'en viens à mon second point, sa manière de penser des sociétés justes et durables. Alors, il me semble en dehors de la question de l'égalité, et je crois qu'elle ne la sépare pas de cette question de l'égalité homme-femme, mais elle a, comme j'ai mentionné, une approche holiste. Elle ne pense pas à la situation des femmes en dehors de leur contexte local, politique et écologique, et en dehors des structures sociales spécifiques. Et pour moi, c'est remarquable, et je crois que c'est au travers d'une telle posture qu'on peut parvenir à avoir un regard affûté, un regard juste, et à proposer des interventions qui soient contextuelles et qui soient durables. Wangari Maathai établit un lien entre la paix, la gestion durable des ressources et la bonne gouvernance qui implique des états de droit, le respect des droits de l'homme, la défense consciente et active de la justice, de l'équité et la gestion des ressources de manière responsable et transparente. J'ai l'impression que ce sont des termes qui sont rentrés dans nos pratiques. Quand vous allez vous entendre, les entendre, ça ne va pas faire tilt. C'est rentré dans nos pratiques discursives, dans le discours des organisations internationales. Et j'ai personnellement le sentiment que ce sont des termes qui ont pour ma part été un peu vidés, dépouillés de leur épaisseur, de leur profondeur. Et je trouve cela dommage. Alors, quand elle parle de société juste et stable, elle appelle l'image du trépied africain, les 3 pieds du tabouret qui représentent les 3 piliers essentiels d'une société juste et d'une société stable. C'est l'espace démocratique au sein duquel les droits de tous sont respectés. Les droits de l'homme, les droits des femmes et les droits des enfants, de l'environnement. Et ce n'est pas tout, car la pensée binaire, je pense qu'on est d'accord, est plus ou moins dépassée.
ce ne sont pas les sociétés, ce sont les sociétés où les droits de tous, quelle que soit la manière dont ils se présentent, sont respectés. C'est la gestion durable et équitable des ressources. C'est une culture de la paix nourrie et entretenue au sein de chaque communauté. Et l'assise du tabouret sera représentée par la société et ses perspectives de développement, ses stratégies, ses politiques. Donc, si un des trois pieds n'est pas bien rivé à l'assise, vous imaginez bien que la société ne peut pas prospérer et ses citoyens ne peuvent davantage développer leurs compétences et leur créativité. Je pense à cette question de la réceptivité qui a été mentionnée par ailleurs, ou la valorisation de ceux qui sont réceptifs. S'il manque un pied, le tabouret est instable. Et s'il en manque deux, eh bien, il tombe. Donc, quand ces trois pieds ont disparu, l'État est en faillite absolue et on ne peut alors que se retrouver dans des situations conflictuelles qui ne permettent d'espérer aucun développement. Ça m'a semblé vraiment un symbole assez fort pour dire que finalement, le trépied, ce qu'elle met dans la forme qu'elle donne ou la manière dont elle se sert du trépied africain pour concevoir les sociétés justes et stables, ça permet de dire que finalement, c'est confortable, une société qui est fondée sur ce modèle-là est confortable et équilibrée, comme quand on est assis sur un trépied africain, eh ben, on est stable, on est équilibré. Je vous remercie pour votre attention. Muchas gracias, doctora Tongchu, por esta presentación tan interesante. Ahora le dejo la palabra a doctora Hélène Krinkelbach. Tiene 15 minutos para su presentación. Comme pour Josiane et Flore, ce n'est pas mon sujet de recherche d'habitude, mais j'ai quand même réfléchi à ces questions sur la base d'expériences personnelles, de discussions avec des collègues basés dans différentes institutions africaines depuis pas mal d'années déjà. Mais aussi, en préparant cette contribution, j'ai pris le temps en fait, de discuter avec un certain nombre de collègues africaines qui ont toutes soit fait leurs études dans des universités africaines ou travaillé dans des universités sur le continent ou les deux. Certaines y sont encore et d'autres travaillent dans des institutions européennes, mais après avoir eu des périodes de travail sur le continent. Donc, on va dire que en préparant ça, j'ai fait une mini ethnographie pour essayer de recueillir la perspective de différentes femmes. Et elles étaient d'origine essentiellement du Ghana, du Nigeria, de l'Afrique du Sud et de l'Éthiopie. Mais par ailleurs, j'ai eu des conversations avec des collègues, bien sûr, du Sénégal et d'autres pays au fil des années. Donc, en fait, je voulais juste commencer par faire un petit état des lieux avec des chiffres qui ne sont pas vraiment récents, mais ce sont les plus récents que j'ai pu trouver et qui montrent bien que, en fait, dans tous les pays d'Afrique, il y a des inégalités de genre. On le sait aussi à travers un certain nombre de rapports qui ont été produits ces dernières années, notamment par la British Academy, qui a trouvé que les inégalités de genre étaient présentes dans toutes les universités africaines. Et en termes de pourcentage du personnel académique, vous pouvez voir que l'Afrique du Sud, là on a des chiffres pour l'université de Stellenbosch, l'Afrique du Sud avait à l'époque en 2007 des chiffres un peu meilleurs, bon, ils ont probablement évolué depuis, avec à l'époque 41% de femmes, mais dans les autres pays on était autour de 22 à 25%. Et on sait que depuis 2008, depuis ces chiffres, il y a eu une petite augmentation dans certains pays, jusqu'à 30%, mais en gros, on ne dépasse pas de manière générale les 30% de personnel, 30% de femmes parmi le personnel universitaire. Et puis bon, l'autre aspect de l'état des lieux, c'est bien sûr les questions de ressources dans les universités africaines. On a d'une part une augmentation très forte du nombre d'étudiants, donc il y a de plus en plus de demandes d'éducation universitaire, mais par ailleurs, des ressources humaines et financières qui ne suivent pas. Et c'est à la fois
l'impact continu des politiques d'ajustement structurel des années 80-90, qui, on le sait, ont beaucoup endommagé l'éducation publique sur tout le continent. Et c'est aussi des choix politiques qui font que même là où il pourrait y avoir davantage de ressources, elles ne sont pas forcément investies. Et de plus en plus, on laisse le champ, les États africains laissent le champ aux universités privées, qui ne favorisent pas forcément la recherche et surtout pas celle des femmes, parce que bien sûr, dans les universités privées, il y a un impératif de profit qui n'est pas forcément compatible avec le développement de carrières de recherche sur le long terme. Profit court terme n'est pas forcément compatible avec le développement de carrières du personnel académique sur le long terme. Donc ça, c'est un problème structurel qui constitue une partie importante de l'état des lieux. Malgré tout, vous pouvez voir qu'il y a une augmentation très, très importante du nombre de doctorants en Afrique subsaharienne. Donc, une fois de plus, ce ne sont pas des chiffres très récents, mais on voit quand même que de 2001 à 2011, il y a une augmentation de 10% par an. Et ça, c'était à l'époque le nombre de doctorants dans toute l'Afrique subsaharienne. Il a très probablement fortement augmenté depuis. Mais un problème de ressources qui ne va pas du tout avec cette augmentation, qui ne suit pas cette augmentation. Et puis, bien sûr, un facteur très important dans l'état des lieux, c'est la dépendance de fonds externes pour la recherche. De manière générale, les États africains ne financent pas la recherche, à part l'Afrique du Sud. Et donc, forcément, si les fonds doivent venir de l'extérieur, il s'agit, pour y avoir accès, d'être positionné dans des réseaux d'accès au financement. Et on sait que les femmes sont en position de désavantage pour les raisons que Flore et Josiane ont déjà citées et auxquelles je vais revenir dans les facteurs institutionnels. Donc ça, c'était juste une vision globale, un état des lieux en quelque sorte. Après, pour essayer d'identifier les obstacles à la pleine participation des femmes à la recherche en sciences sociales sur le continent, j'ai divisé en fait ces facteurs d'explication en deux catégories, les facteurs sociologiques et les facteurs institutionnels. Dans un premier temps, j'avais pensé donner des idées de solutions, mais je me suis dit que finalement, c'était commencer à l'envers, qu'avant de faire un brainstorming sur les solutions, il fallait quand même essayer de parler des facteurs derrière, puisque les solutions qu'on peut apporter sont complètement liées aux obstacles. Donc, on le sait, Flore et Josiane l'ont déjà mentionné, il y a un investissement différencié des familles dans l'éducation des femmes, et Flore et Josiane l'ont montré avec des exemples concrets. Quand il faut choisir quels enfants envoyer à l'école et dans quels jeunes il faut investir en termes d'éducation jusqu'à l'université, s'il y a un choix difficile à faire, on va plutôt, dans beaucoup de contextes, choisir les garçons que les filles, à moins que les filles présentent des talents exceptionnels, comme ça a été le cas justement dans les exemples qui ont été donnés dans les présentations précédentes. Mais de manière générale, il y a une inégalité dès le départ. Et puis, pour les femmes qui ont la possibilité d'aller à l'école, de faire des études supérieures, les carrières dans les sciences sociales ne sont pas forcément perçues comme les plus attrayantes, ne sont pas forcément celles qui sont poussées par les familles qui veulent voir un succès, en fait, venir comment dire, couronner les efforts qui ont été faits pour maintenir les jeunes femmes dans le système éducatif. Et donc, si elles se débrouillent bien, si elles sont bonnes et qu'elles ont des bons résultats, dans beaucoup de contextes, on va plutôt les pousser vers des métiers qui sont sûrs de produire des carrières à bons revenus, vers les métiers de la santé, vers le droit, mais pas forcément vers les sciences sociales. Et ça, ce sont des phénomènes qu'on observe dans beaucoup d'autres parties du monde, donc ce n'est pas quelque chose de spécifiquement africain, mais c'est quand même un obstacle aux sciences sociales féminines en Afrique. Et puis l'étiquette féministe dans de nombreuses sociétés est très peu valorisée, c'est certainement le cas au Sénégal. Quand on dit qu'on est chercheur ou chercheuse en sciences sociales et qu'on se penche sur les questions de genre, on reçoit vite l'étiquette de féministe et dans ce contexte, c'est vraiment pas un compliment. Donc en fait, de nombreuses femmes se sentent obligées en fait de déguiser
leur intérêt pour les questions de genre dans d'autres sujets qui sont mieux acceptés socialement. Mais il est souvent difficile de dire ouvertement qu'on travaille sur les questions de genre et encore plus difficile de déclarer ouvertement qu'on a une approche féministe. Et donc, il y a un effet de comment dire, ce sont des choses qui renforcent le problème petit à petit. J'ai du mal parfois à trouver les mots en français parce que même si c'est ma première langue, je travaille en anglais, donc il y a un effort de traduction à faire. Et puis, les questions de genre, dans la société de manière générale, affectent bien sûr les carrières scientifiques. Une fois de plus, Josiane et Flore les ont mentionnées. Par exemple, le fait que dans de nombreux contextes africains, le mariage et la maternité soient les valeurs centrales du succès féminin. Ça ne veut pas dire que ce sont les seules, mais il peut être très difficile pour des femmes de faire valoir le succès dans d'autres domaines tant qu'elles n'auront pas démontré de succès dans ces domaines-là. Donc, si on n'est pas marié et qu'on n'a pas d'enfants, on ne sera pas considéré comme ayant eu, comme ayant établi en fait atteint la maturité sociale. Voilà. Et à partir de là, il est très difficile en fait de transgresser d'autres barrières et il est très difficile de se faire une carrière scientifique si on n'a pas aussi atteint ses objectifs. Et puis, les questions de solidarité sociale et de responsabilité qui sont, à mon avis, des points très positifs de nombreux contextes africains, peuvent constituer des obstacles dans le sens où c'est souvent sur les femmes que revient la responsabilité matérielle, morale et émotionnelle de membres de la famille, notamment de personnes âgées. Et là, j'ai des exemples justement parmi les collègues avec qui j'ai fait des entretiens qui ont dû interrompre leur carrière pendant un certain nombre d'années ou par exemple qui avaient des postes dans lesquels elles avaient la possibilité de faire des recherches dans des universités à l'étranger et qui ont dû par exemple retourner dans leur pays d'origine de manière précipitée pour s'occuper de parents âgés et qui ont dû interrompre ou en tout cas transformer leur trajectoire de carrière à ce moment-là, à des moments où elles n'auraient pas, ça n'a pas forcément été au bénéfice de leur carrière, on va dire. Et ce sont souvent encore les femmes qui prennent en charge la santé familiale, même de manière matérielle. Donc même des femmes universitaires qui ont des doctorats et qui arrivent contre vents et marées à se qualifier pour des postes de professeurs et des postes dans la recherche, en général, ne sont pas libérées de ces responsabilités. Et donc, ça les désavantage dans pas mal de domaines, notamment la publication, l'accès aux fonds de recherche et bien d'autres choses qui constituent une carrière de recherche. Donc après, il y a les facteurs institutionnels, donc au niveau plutôt des universités et des institutions de recherche, parce que la recherche ne se fait pas que dans des universités, mais de manière générale, ce sont des facteurs qu'on retrouve à travers la plupart des institutions de recherche. Donc les femmes sont défavorisées dans l'accès à l'éducation, comme je l'avais dit, surtout en zone francophone, mais ça, là, ce sont des choses qui changent et qui évoluent. Heureusement, il y a du progrès. Par contre, une question qui semble être un problème qui semble être partagé dans beaucoup de témoignages, c'est le sexisme et la discrimination à l'embauche dans pas mal d'universités et d'institutions de recherche. Après, même une fois que les femmes arrivent à être embauchées, à avoir des postes de recherche, elles souffrent absolument toutes de sexisme sur les campus et de nombreuses collègues m'ont parlé de difficultés à imposer leur autorité, pas seulement auprès de collègues masculins et auprès de la hiérarchie dans leur université, mais même auprès d'étudiants masculins. Il y a un phénomène dans certains contextes de condescendance à l'égard
des professeurs et chercheurs femmes, si ce n'est même de harcèlement de la part de collègues étudiants masculins, c'est tout à fait courant. Et souvent, il y a très peu de mécanismes de plainte, il y a très peu de mécanismes pour en fait punir ce genre de comportement. Donc, du coup, les femmes préfèrent rester silencieuses et au besoin se mettre à l'écart, parfois même quitter carrément leur poste, plutôt que de faire des plaintes formelles. Je pense qu'il y a des contextes dans lesquels ça devient de plus en plus possible, mais c'est très loin d'être généralisé. Et puis, bien sûr, il y a peu de femmes dans les structures de décision et de gouvernance. Donc, les jeunes chercheuses voient peu de modèles, peu de soutien aux problèmes spécifiques des femmes et peu de politiques de promotion des femmes. Donc, plusieurs collègues m'ont parlé de la manière dont, par exemple, elles ont vu pendant des années dans les structures de promotion comme des femmes très compétentes qui font de belles carrières et qui, de certaines manières, en fait, prennent bien plus à cœur leur travail que les hommes, sont ignorés d'année en année pour la promotion, par exemple, au statut de professeur, jusqu'à un moment où il devient un peu trop visible et il devient presque intenable de les mettre en avant. Et dans certains cas, à ce moment-là, elles ont déjà un certain âge et on leur dit, ah ben non, mais finalement, vous êtes trop âgé pour cette promotion, et il aurait fallu passer avant. Donc, sans avoir en fait un soutien au niveau les plus élevés de l'université et sans avoir de femmes dans les structures de gouvernance, il y aura peu de chances que ces choses-là changent. Et puis, ses collègues m'ont dit que le sexisme était souvent internalisé par certaines femmes elles-mêmes et que parmi les personnes qui ont constitué des obstacles pour elles, il n'y a pas eu que des hommes, mais il y a eu aussi des femmes. Et puis, bien sûr, les questions de temps attribué pour la maternité. Souvent, les congés maternité sont insuffisants et pour les femmes qui veulent prendre des congés maternité, il peut être très difficile de reprendre une carrière par la suite. Et puis enfin, parmi les facteurs institutionnels, un facteur très important que tout le monde mentionne, c'est la faiblesse des salaires universitaires. Ça, c'est un facteur qui affecte les hommes aussi, mais peut-être davantage encore les femmes, qui pousse de nombreux chercheurs et de nombreuses chercheuses à s'investir plutôt dans la consultation pour les ONG, ce qui en soi n'est pas mauvais, mais dans la mesure où les critères de progression pour la recherche demandent des publications dans les revues scientifiques, par exemple, pour les personnes qui ont passé des années à faire de la recherche et des rapports de consultation pour les ONG, il peut devenir de plus en plus difficile de remplir ces critères. Alors là, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment important à faire, à investir peut-être dans ces institutions de recherche sur le continent qui sont de plus en plus nombreuses, mais encore trop peu nombreuses, et qui essayent d'offrir quelque chose, en fait, une sorte de maillon intermédiaire entre les universités et les ONG, c'est-à-dire des instituts de recherche qui essayent justement de mettre en valeur tout ce travail de recherche très important qui peut être effectué pour les ONG, mais qui, dans le milieu universitaire mondial, est très peu valorisé. Parfois très peu valorisé pour de bonnes raisons, parce qu'il peut être effectué pour servir les agendas de certaines ONG, donc il peut être considéré comme ne respectant pas les critères fondamentaux de la recherche avec une certaine liberté de design et de pensée. Mais il n'empêche que pour les personnes qui font ce type de recherche et qui sont engagées dans des consultations pour des ONG, elles accumulent un savoir très utile qui pourrait être très profitable pour la recherche, mais qui souvent n'est pas valorisé. Et puis un point très important, c'est qu'il n'y a pas assez d'investissement de formation dans la carrière de jeune chercheuse. Et là, il y a un travail très intéressant qui est fait, notamment par la British Academy, pour essayer d'établir des modes, des programmes et des modes de fonctionnement qui permettraient de faire du mentoring sur le long terme et d'investir en fait sur plusieurs années dans la formation de jeunes chercheuses à travers le mentoring.
C'est un programme, ce sont des efforts qui nécessitent d'être effectués sur le long terme. Ça ne se fait pas en quelques mois. Et là, il ne s'agit pas seulement de la formation dans la formation universitaire, on va dire, mais pour vraiment former des jeunes chercheuses, il faut qu'à un niveau individuel, des mentors, des personnes expérimentées s'investissent et forment ces personnes à tout ce qu'il y a autour de la substance académique elle-même. L'écriture de candidature pour des financements, la rédaction d'articles, le networking, par exemple. Et pour ça, il faut vraiment du temps. L'une de mes collègues du Ghana, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets et qui a formé beaucoup de gens, m'a dit, moi, mon expérience maintenant, après avoir fait ça pendant 15 ans, c'est qu'il faut au minimum 4 ans d'efforts individuels soutenus de mentoring pour former des jeunes chercheurs. Et bien sûr, pour ça, il faut que les mentors eux-mêmes aient du temps, des ressources. Et puis, il faut que ces jeunes chercheuses aient un temps de libéré pour la recherche, particulièrement en début de carrière, ce qui souvent n'est pas le cas dans de nombreuses universités africaines. Au contraire, on surcharge les jeunes universitaires avec beaucoup trop d'enseignements, précisément à un moment où c'est là qu'il faudrait que ces jeunes femmes soient en train de développer leur carrière de recherche et qu'elles soient libérées des enseignements, qu'elles soient formées à tous ces aspects qui vont autour et qu'elles aient le temps justement de publier pour pouvoir avancer par la suite. Et puis, comme on sait, très peu de revues sur le continent sont consacrées aux questions de genre, aux approches féministes. Donc, il y a une sorte de cercle vicieux dans le domaine. Et puis, comme j'avais mentionné au début, il y a ce problème aussi dans les universités privées de l'impératif du profit à court terme qui ne donne absolument pas la priorité à la recherche, parce que la recherche, c'est une affaire de long terme et dont on ne voit pas forcément le profit, le retour immédiat. Donc le fait qu'il y ait une croissance du nombre d'universités privées sur le continent ne va pas forcément dans le bon sens en matière de recherche, à moins d'interventions qui forcent les universités privées à investir dans la recherche. Et ça, je pense que c'est une question aussi à travailler. Donc voilà, j'ai probablement pris de trop de temps, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Et puis j'espère qu'on pourra parler de solutions possibles dans les ateliers. Muchas gracias, doctora Kringelbach, por su estimulante y muy interesante presentación. Ahora ha llegado el momento de la última presentación de la noche. Le dejo la palabra a doctora Flore Gangbo y tiene 15 minutos para su presentación. Merci beaucoup. La question qui nous réunit, la question centrale, c'est au cœur des femmes scientifiques. Et en fait, quand on réfléchit bien, il s'agit de voir si femmes et hommes scientifiques sont égaux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a un peu de réalité là-dedans? Pour pouvoir entrer dans ce sujet, j'avais pensé, si on avait le temps, vous demander de prendre quelques minutes pour répondre à quatre questions. La première question dit ceci. De nombreuses personnes ont favorisé, ont influencé favorablement votre carrière, m'adressant effectivement aux femmes scientifiques. On ne peut pas tous les citer, mais si on vous demandait, et je parle aux femmes scientifiques, si on vous demandait de proposer une seule pour pouvoir réduire les inégalités, quelle personne vous allez proposer? La deuxième question est le côté inverse. De nombreuses personnes ont négativement influencé votre carrière. Si on vous demandait de supprimer ces personnes qui ont négativement influencé votre carrière, laquelle vous allez influencer si cela permettait de réduire les inégalités? Ça, c'est concernant les personnes. Concernant les événements, il y a certainement des événements sociaux, familiaux, etc., qui ont favorisé positivement
la carrière de la femme scientifique que vous êtes, et si on vous demandait de proposer aux autres les événements qui favorisent la carrière, quels sont les événements que vous allez proposer? De l'autre côté aussi, il y a des événements qui ont influencé négativement la carrière. Si vous aviez la possibilité d'en supprimer, quels sont les événements que vous allez rayer définitivement s'il s'agit de réduire les inégalités? Donc, voilà les questions que j'avais prévues comme entrée en matière. Et le fait de réfléchir à ça nous permettra d'entrer donc dans le sujet lié à l'égalité des sexes. Il faut que tout le monde se rende compte que c'est un droit. Mais pour que ce droit soit bien vécu, sa réalisation va passer par une meilleure connaissance des obstacles, parce qu'il y en a, et une façon de surmonter ces obstacles. Je vais commencer par quelques exemples de l'histoire que j'ai eu à découvrir en préparant cette présentation. Ça m'a été très utile. Tout le monde a certainement entendu parler de Pierre et Marie Curie, mais je m'en vais parler de Marie Curie, qui est née en 67. C'est une physicienne et chimiste. C'est la première femme à avoir reçu... Je voudrais fermer cet écran qui m'embête. Voilà. C'est la première femme à avoir reçu le prix Nobel à ce jour, et c'est la seule femme qui en a reçu deux dans deux domaines scientifiques distincts. C'est la première femme lauréate en 1903, lauréate avec son mari, qui a reçu la médaille Davy pour ses travaux sur le radium. L'histoire de Harriet Brooke est un peu différente. Elle est différente de celle de Marie Curie, qui semble avoir eu une carrière assez bien remplie. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a été méconnue, et c'est un chercheur qui a réveillé cette histoire en faisant sa biographie en 1992. Mais qui est Harriet Brooke? Elle a finalement été reconnue pour avoir été la première femme physicienne nucléaire canadienne. Si vous voulez, c'est l'équivalent de Marie Curie, mais dans le contexte canadien. Elle est morte très, très tôt. J'ai été intéressée par l'histoire de Mileva Maric, qui est née en Autriche. C'est une fille qui a eu une brillante évolution à l'école. Grâce à l'aide de son père, elle a pu être inscrite dans une école normalement réservée aux garçons pour pouvoir suivre ses cours de physique et de mathématiques. Donc, après, elle est partie en Suisse et elle a été à l'Institut Polytechnique. À l'époque, elle était la seule femme comme élève. Et puis, sa vie va changer quand elle va rencontrer un autre surdoué des sciences, Albert Einstein. Qui n'a pas entendu parler de Albert Einstein? On a certainement tous entendu parler de lui, mais très peu de sa femme. Et on verra pourquoi. En fait, la femme d'Albert Einstein, qui s'appelle Mileva, a en réalité été d'une grande aide pendant qu'ils étaient jeunes. Et à l'époque, ce physicien de grande renommée publiait ses articles et ne citait jamais sa femme. Tout le monde a oublié Mileva. Elle a souffert, comme d'autres femmes, avant elle, de l'effet qu'on appelle l'effet Matilda. C'est quoi cet effet Matilda? Cet effet Matilda, c'est un effet qui fait que quand la femme scientifique travaille, fait des découvertes, on préfère la cacher, ne pas en parler, mais plutôt mettre en avant la gente masculine. Comment on a su que Mileva a eu une part importante dans la vie d'Albert Einstein, mais peut-être la part la plus importante? Ce sont des lettres qu'ils ont échangées, que Einstein a eu à écrire à Mileva. Et
En lisant cette lettre, il disait à sa femme, j'espère que nous allons parvenir ensemble finalement à obtenir ce que nous cherchons. C'est presque dans ce thème qui s'est exprimé. Parce qu'il a dit, j'espère que nous allons parvenir ensemble. La communauté scientifique s'est rendue compte donc que Mileva a une part importante, peut-être la plus importante, et a commencé à se questionner sur l'importance de cette femme-là dans la vie publique d'Albert Einstein, qui a eu tant et tant de gloire. On a parlé très peu de sa femme. Voilà trois exemples de femmes qui ont eu une vie scientifique différente. Quant au prix Nobel, lorsqu'on regarde à qui les prix Nobel sont décernés, regardez la proportion d'hommes qui a eu à recevoir les prix Nobel et la proportion de femmes. L'année passée seulement, aucune femme n'a eu le prix Nobel, alors qu'il y avait encore la possibilité de donner le prix Nobel à Madame Vera Rubin, qui est une théoricienne de la matière noire, qui n'a jamais été primée malgré ses résultats. Donc, on remarque qu'il y a une tendance à effacer la contribution féminine à l'avancée des sciences, au profit, comme je le disais tout à l'heure, d'une postérité toute masculine. C'est ça qu'on appelle l'effet Matilda. Et c'est l'historienne des sciences américaines, Margaret Rossiter, qui a donné le nom à cet effet qu'elle a constaté en parcourant l'histoire de ces grands hommes qui ont été très célèbres. Tout cela peut être dû à quoi? Il y a plusieurs catégories d'explications. Hein? Il y a des explications d'ordre historique et des phénomènes de socialisation. Du point de vue historique, l'université a été accessible aux femmes quand? Surtout celles en France à partir du 19e siècle seulement. Dans nos sociétés, regardez la manière dont les filles sont éduquées. Les filles sont éduquées pour être mères, pour s'effacer, pour travailler, etc. Et il y a les phénomènes d'autocensure qui font que même quand la fille est intelligente, elle ne prendra pas le devant pour postuler pour un poste. Et je me suis rendu compte que j'ai fait partie de ça. On s'auto-censure, on ne va pas tout seul déposer un dossier de promotion si on n'est pas soutenu par quelqu'un d'autre. Il y a des causes exogènes liées aux spécificités du genre, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et comme cause exogène, on peut citer des organes de sélection à l'université. Il y a des organes de sélection qui sont mis en place. Même quand il y a des règles, des procédures qui sont rédigées, la façon dont ces organes de sélection fonctionnent finalement pénalise la carrière des femmes. Parfois, il n'y a même pas de femmes au sein de ces organes, alors que la preuve a été faite que quand il y a des femmes qui sont dans ces organes-là, les choses s'améliorent. Le degré de transparence des processus de mécanismes de prise de décision, ce degré-là aussi est à interroger. Les critères de sélection que ces organes utilisent aussi sont à être interrogés. Nous avons parlé tout à l'heure des facteurs individuels et de la faible tendance des femmes universitaires à intégrer les réseaux d'influence ou à se faire parrainer. Ce que l'homme fait très facilement. Il va intégrer des réseaux d'influence si c'est que ça va servir à l'avancée de sa carrière. Il va chercher des parrains plus facilement que la femme. Il y a des causes propres au travail et au système universitaire que nous classons comme causes endogènes. Dans la recherche scientifique, les femmes sont sous-représentées partout, dans mon pays comme dans le monde entier. Au niveau de la profession universitaire, quand on regarde la proportion des femmes par rapport au grade, au fur et à mesure que le grade augmente, l'effectif des femmes diminue. Il faut pouvoir réduire ces obstacles et surmonter les défis. Il y a eu beaucoup de discours, mais on ne peut pas s'arrêter au discours. Il faut s'attaquer au comportement et ça demande du temps. Et comment on s'attaque au comportement? Nous pouvons résumer ça en des étapes que l'on peut, sur lesquelles on peut revenir donc de façon itérative. Les quatre grandes étapes sont dans l'ordre hiérarchique suivant. Si on veut toucher un comportement, il faut développer la réception,
au phénomène, attendent que l'autre dont on attend le comportement répond, on valorise et après, on atteint le niveau d'organisation. Voilà, il faut réceptif, répondre, valoriser et organiser. Je vais appliquer ça maintenant à notre contexte. En quoi va consister l'étape de réception? Il faudrait que la gente féminine comme la gente masculine reconnaisse l'existence d'un tel phénomène, choisisse de s'y attaquer et écoute ce qui est lié et le partage. Il y a une recherche qui a été faite dans 6 universités françaises. 1400 chercheurs ont été interrogés et la quasi-totalité des hommes ignorent l'existence de ce phénomène-là. Même parmi les femmes, 45% n'ont pas reconnu qu'il y a des inégalités hommes-femmes dans le domaine scientifique. Donc, il faut d'abord accepter de reconnaître que ce phénomène existe. Ensuite, quand on a accepté, il faut pouvoir exprimer sa réponse, ce qu'on peut mesurer et corriger. Alors, on a été réceptif, on a répondu favorablement. Donc, l'étape suivante consiste à pouvoir aider, assister et encourager d'autres à adhérer au changement de comportement. Ça, c'est une étape très, très importante qui traduit qu'on a valorisé ce qu'on a intégré et ce pourquoi on tend vers un comportement plus positif. La dernière étape, le sommet. Pour être sûr que le comportement a changé, quiconque a été réceptif, répondu favorablement, aidé, assisté, encouragé d'autres à adhérer au changement espéré, va maintenant pouvoir être capable d'organiser, de formuler des actions, de formuler des politiques et stratégies pour étendre ces comportements, ces changements. Donc, on peut passer d'une étape à l'autre et corriger au fur et à mesure. Mais pour le faire, qui est impliqué finalement? Quand on réfléchit, tout le monde est impliqué, que ce soit les femmes universitaires et le monde de la recherche, tout homme et toute femme en général est impliqué. Notre société, puisque nous avons évoqué des problèmes de société, et les pouvoirs religieux dont on parle très peu, parce que nous sommes obéissants aux pouvoirs religieux, quels que soient les noms, quel que soit le ciel sous lequel on se trouve. Les organisations de la société civile qui s'attaquent à des phénomènes de société, mais les médias qui constituent un pouvoir très important et les gouvernants à divers niveaux. Donc, nous avons essayé de recenser les différents acteurs et nous pensons que si tout ce monde-là arrive à passer les 4 étapes de changement de comportement, nous pouvons espérer réduire les inégalités dans le monde universitaire et au niveau des femmes scientifiques. Je vous remercie. Muchas gracias, doctora Gangbo, por su enriquecedora contribución sobre un tema tan crucial. Me gustaría agradecer una vez más a todas las ponentes por sus valiosos esfuerzos para destacar las contribuciones de las científicas africanas al desarrollo sostenible de las poblaciones humanas y por arrojar luz sobre los obstáculos que ellas enfrenten y cómo reducirlas. También me gustaría agradecer a nuestros espectadores que no pudieron estar aquí con nosotros esta noche debido a las restricciones para reducir la propagación del COVID-19. Muchas gracias por su interés en este tema muy importante. Ahora me gustaría dejar la palabra a Nuria Camps, la directora de Nutrición Sin Fronteras, para presentar el trabajo de la Fundación con los vídeos de las investigadoras africanas hablando de sus contribuciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias, Farah. Bueno, yo quería empezar diciendo que hoy es 25 de noviembre y que hoy precisamente es el día de la lucha contra la violencia machista y es el día precisamente de reivindicar que hay muchas violencias, ¿no? Violencias evidentemente físicas, pero hay también toda una violencia subliminal de menospreciar el trabajo de las mujeres, de menospreciar la importancia de las investigadoras africanas en este caso y el conjunto de investigadoras, y de no darle el valor al trabajo que están haciendo tantas y tantas mujeres que están contribuyendo a generar una nueva cultura social y universal
que tan importante es. Decíamos que es importante que los derechos humanos se reconozcan y el derecho de las mujeres está en estos momentos todavía absolutamente vulnerado prácticamente en todos los países del mundo. Por tanto, digamos que el derecho de las mujeres es una lucha global. Esta jornada de hoy se enmarca en esta reivindicación de la visibilización de la importancia del trabajo de las mujeres. Y bueno, yo tengo el placer de presentar una serie de vídeos, los dos primeros vídeos de una colección de 5 vídeos, en que se presentan entrevistas con distintas científicas africanas de distintos países y que se enmarcan en la Agenda 2030. Yo creo que este siglo XX, tiene que ser un siglo de las mujeres y hemos de poder llegar a la fecha de dentro de 10 años, o sea, en el año 30, habiendo hecho un giro radical en la situación de las mujeres y en concreto de las mujeres africanas. En este sentido, este proyecto se enmarca en esta filosofía y a la vez también me complace explicar que este proyecto de vídeos ha sido realizado también por mujeres, por Carla Molina, por Paula Igual, por ti, por Fara, y en ese sentido creo que también es poner en valor que cómo estas contribuciones también dan visibilidad a otras mujeres que han estado trabajando y que están trabajando contracorriente para que sea reconocido su tarea como investigadoras africanas. Nos complace, por tanto, presentar dos vídeos, el de Gloria Mason. Ella es de Liberia, nacida en Liberia, y es doctora en bioética, y de Esperanza Fasu, que es de Benín, y es una doctora que se ha centrado mucho en lo que es la investigación agrícola. Yo creo que de sus contribuciones están, y de dar a conocer esas experiencias es lo que también va a poder generar que muchas niñas, muchas jóvenes en muchos países distintos puedan verse que es posible este cambio, que es posible llegar a ser doctora, investigadora, y que es posible un reconocimiento y una contribución cualificada de las mujeres a generar nuevos procesos de desarrollo en todo el mundo, ¿no? Es en ese marco que decimos este conjunto de jornadas, los hemos titulado Innovando desde el Sur, y es innovando desde el sur porque creemos que es escucharlas a ellas las que puede realmente hacernos que seamos también, yo diría, cómplices de poder mostrar su gran trabajo y su proceso de transformación. Os invito, por tanto, a ver estos dos vídeos que pasaremos a continuación. Hello everybody. Je ne vois pas d'autre solution que de mettre des quotas. We look forward to more opportunities. My name is Gloria Mason. I'm a bioethicist by training from the Harvard University. My background is bioethics. Right now, I'm doing a research ethics training in Liberia. My contribution to the sustainable goals has been being able to come back after school, after acquiring my degree, and to come out and contribute to my country, given that I am one of the only bioethicist in country and a woman also, and I thought that coming back to bring forth this knowledge to support my country ethics review system and strengthen it and identify those gaps
is key, and I think countries around the world doing research in Liberia, individuals has benefited from this effort, being able to set up a system that is more acceptable in Liberia, in Africa, the region, and the world at large. So right now, we have this the EDCDP project that we presently have in order to help strengthen ethics reviews in Liberia. So basically, that's what we have. To some extent it has, but I think there is still need for more. I think we still have limitations with that, but there's a need that we encourage women to be a part of the process. Right now we have less than 30% of women on this committee, and that I think is a major challenge for National Ethics Committee, and be able to train them, give them the needed capacity that they will be able to contribute to ethics review system, ethics strengthening in Liberia, and be able to even help build a bioethics program in Liberia. Even with our limited resources, with the challenges that we have in terms of getting education, scholarship to do more, we can still contribute with the little resources that we are able to obtain or get together. So I think I see it more as a motivation as an African woman in research, and I think I can still contribute whether or not there are support. But we look forward to more opportunities in terms of training, in terms of leading a process, in terms of leading a whole research process. I admired several individuals who have done so much in Liberia, but in terms of female, I know when I was doing my fellowship at the National Institute of Health, one person that I admire, Dr. Christine Grady, she's the head of the bioethics department at the National Institute of Health. I think I've admired her work, being a family woman, and managing so much individual, and yet it's still in the path of professionalism. I saw that as a stepping stone that I can do it for my country. Women, we are great thinkers. We brave the storms, and sometimes when I see it, our ability being questioned is starting my heart, because I feel we have the ability to make the difference. And women are hard workers, need to limit the stereotyping and be able to see women as equals and see them as partners, see them as leaders. Let their voice be heard, let them be listened to, and let them make be able to make that impact through their own contributions. You can do it, and you are the light of your community, of your country. And I think if you embrace who you are and see yourself as that leader, that you can do it. There is nothing impossible out there. I feel that if I can do it, any other girl out there, a Liberian girl who've never saw herself, I cannot go to that school, or I don't have the means to. There is nothing impossible out there. Yes, you are. Yes, you can. Je ne vois pas d'autre solution que de mettre des quotas. We look forward to more opportunities. Projets et thématiques de recherche s'inscrivent dans le champ disciplinaire de l'agro-socio-anthropologie pour le développement rural. De façon plus précise, il concerne donc l'apprentissage dans le domaine agricole et rural,
le renforcement institutionnel des systèmes d'innovation agricole, l'inclusion sociale dans le développement agricole et les approches transformatrices du genre dans le domaine agricole. Mes motivations pour consacrer mes investigations aux objectifs de développement durable se situent beaucoup plus dans le fait que je suis une femme, je suis une mère, je suis une citoyenne et je suis une enseignante-chercheure. Je suis donc appelée à participer activement à la tenue de l'agenda des ODD. Et les ODD constituent pour moi en effet un référentiel universel qui est à la hauteur de l'importance des enjeux de notre planète, à savoir lutter contre, bien sûr, le réchauffement climatique, lutter contre la pauvreté et construire un monde à la fois plus durable et plus inclusif à l'horizon de 2030. Vous savez, le genre, c'est ce qui différencie les femmes et les hommes dans leurs relations sociales. Et les relations du genre ont donc une base culturelle et sont définies par la société. Nous, nous vivons dans la société africaine, ce qui est différent. Donc, en Afrique en général et au Bénin en particulier, l'égalité entre les hommes et les femmes tarde à être effective. Ceci à cause de la coexistence, bien sûr, de lois aussi bien formelles qui reconnaissent cette égalité et de lois coutumières qui ne reconnaissent pas dans la plupart des cas cette égalité. Nos coutumes africaines disposent également de beaucoup de valeurs positives en matière, en faveur, bien sûr, de la femme. Donc, cette coexistence de lois formelles et informelles font que les femmes sont confrontées à de nombreuses formes de discrimination dans l'accès aux ressources productives et financières, l'éducation, l'emploi, les soins de santé, la participation au processus décisionnel et les libertés civiles. Dans un tel contexte, moi, femme africaine, il m'est difficile de poursuivre convenablement ma formation scientifique et de trouver un équilibre entre ma carrière scientifique et le rôle que la société africaine m'attribue en tant que femme. Je mets mon manteau en perpétuelle négociation avec la culture africaine. Je négocie pour combler les écarts qui existent entre les sexes et pour une réduction des discriminations qu'on observe tous les jours. Ceci dans l'espoir que le genre peut se modifier dans et par la culture. Étant une femme africaine et d'origine béninoise, je n'ai pas eu à chercher loin un référent féminin pour m'inspirer. Les Amazones du Dahomey, qu'on appelle dans notre langue locale Minon, ce qui signifie en fond nos mères, ces femmes constituent un ancien régiment militaire entièrement féminin, fond du royaume de Dahomey, actuel Bénin. Elles étaient plus fortes et plus vaillantes que les hommes. Et ne reculait devant rien, ni devant l'ennemi, ni devant la mort. Ceci est donc une source d'inspiration, et ça devrait être une source d'inspiration pour toutes les femmes africaines. Des stéréotypes liés à la femme africaine scientifique qu'on doit démolir obligatoirement, c'est le fait que la société pense que vivre en ménage avec une femme intellectuelle ou une femme scientifique en Afrique est difficile. Beaucoup de femmes intellectuelles et scientifiques sont victimes de tels stéréotypes et arrivent difficilement à se marier, car la société africaine voit beaucoup plus la femme dans son rôle reproductif, c'est-à-dire porter une grossesse, s'occuper des tâches ménagères, s'occuper des enfants, laissant bien sûr de côté le rôle productif, qui au final quand même contribue au bien-être financier du ménage, et aussi laissant de côté le rôle social. Il faut aussi que ces comités scientifiques, que ces comités d'éthique documentent et valorisent les résultats scientifiques issus des recherches des femmes scientifiques africaines. Il faut aussi documenter les valeurs positives de la culture africaine qui pourraient servir de source d'inspiration pour promouvoir l'égalité du genre. Donc, c'est important de lutter contre ce stéréotype afin que la femme africaine, scientifique et intellectuelle puisse être libre de ses mouvements et arriver à bout de ses efforts.
Y con eso hemos llegado al final de la conferencia de esta noche. Muchas gracias a nuestros espectadores, a nuestras distinguidas científicas que participaron esta noche y a las que aparecieron en los vídeos. Gracias también a nuestros financiadores, Fundación La Caixa y la European and Developing Countries Clinical Trial Partnership, que hicieron posible el evento de esta noche. Me gustaría también agradecer a los organizadores, a Nutrición Sense Fronteras, a The African Women's Research Observatory y el grupo de estudio de las Societats Africanas. Muchas gracias.